je suis ici avec François, qui est déjà au fourneau. Oui! Aujourd'hui, on va démystifier le soufflé. Même François disait tantôt, moi, des soufflés, j'en fais jamais. Ben en fait, je fais pas ça quand j'ai de la visite, parce que c'est un travail qu'on fait de dernière minute, puis ouais, qu'on apporte à table. Effectivement. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de sauver de l'ouvrage un peu, fait que... C'est vrai que ça dégonfle, fait qu'il faut que les invités soient autour de la table au moment de le servir. Mais je voulais le faire avec toi, parce que je sais que t'as des bons trucs, puis ça va démystifier tout le truc, là. Ça c'est va. Ça, c'est pas compliqué. Un soufflé, essentiellement, là, si on le déconstruit, c'est une béchamel. Béchamel, on sait c'est quoi. Même François, un jour, tu pourrais peut-être nous faire une capsule sur ça, comment faire la béchamel. On fera ça. OK. Donc, c'est une béchamel et on va aromatiser la béchamel avec ce qu'on veut. Aujourd'hui, on fait un soufflé au fromage, donc on va mettre un fromage cheddar fort. Mais on pourrait mettre du jambon haché avec des épinards hachés. On pourrait même ajouter du sucre, mettre du chocolat, ça deviendrait un soufflé au chocolat. Fait, grosso modo, excuse-moi de te couper, Christina, mais grosso modo, si on sait faire une béchamel, on ajoute ensuite des ingrédients, mais ça va être les blancs d'œufs auxquels... Exactement. Ça, c'est mon deuxième élément. Fait que c'est le ça qui va élément, rendre le truc. C'est ça. Le premier élément, c'est de faire une béchamel qu'on aromatise. Et c'est dans la béchamel qu'on va mettre les jaunes d'œufs qui sont là. Et après ça, on tiédit et on va incorporer les blancs montés en neige. Et c'est là, c'est ça le soufflé, c'est ça qui va faire le... Exactement. Bon. Fait que là, on va j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai fait une belle béchamel ici. Oui. Puis la béchamel, c'est une béchamel épaisse. C'est sûr que c'est pas une sauce qu'on servirait, là. C'est trop épais. Alors, bon, j'ai une belle béchamel. Une belle béchamel qu'on a vraiment fait cuire un bon 2-3 minutes pour que tout faire gélatiniser la farine. Là, tu vas me transférer ça dans un bol. Oui. Okay. Et c'est à cette étape-ci qu'on ajouterait les aromates qu'on veut. Dans notre cas, c'est... Ici, je vois un petit peu de cayenne. Est-ce que vous l'avez mis? Ah, Hélène. Non, c'est parce que je le vois là, sur le comptoir. Oui, on l'a oublié. Ça donne un petit kick. On va mettre sel et cayenne, c'est ça? Oui. Voilà. Bon, la cayenne, c'est facultatif, là, mais on va mettre un peu de cayenne. On va mettre juste un petit peu de sel parce que le fromage j'ai aujourd'hui, c'est un fromage cheddar fort qui est déjà quand même un assez salé. Un petit peu salé, oui. J'ai mis comme peut-être 1 ml de sel. Parfait. On peut mettre un petit tour de poivre. On pourrait même mettre un petit peu de moutarde Dijon. On pourrait mettre des fines herbes, par exemple. C'est un beau terrain de jeu. Ah, la ciboulette. Ah, justement, Hélène, une chance que tu m'en fais penser, j'ai oublié la ciboulette. on va mettre au frigo la ciboulette. Donc, on ajoute le fromage. OK. Voilà. Donc, okay. Le fromage va fondre dans la béchamel et va servir à tiédir la béchamel parce que je dois ajouter mes jaunes d'œufs. Mais si je le fais tout de suite, les jaunes d'œufs vont cuire. Ah, c'est ça. OK? Oui. Fait que je te laisse faire ça, François, puis moi, je vais préparer la ciboulette. Puis là, je vais mettre les jaunes d'œufs. Il y en avait combien à peu près? Te rappelles-tu, Christina? Quatre. Ouais. De toute façon, vous avez les détails dans la recette qui se trouve en haut de cette capsule. Et voilà. Qui vous donne le lien, qui vous amène directement à notre page signée Gourmand sur le web et vous aurez la recette avec tous les détails. Alors, on touille ça comme il faut. Allez, Monsieur Touilleur. Mais oui! Je suis en train Alors ça, c'est beau, regarde comment c'est tout homogène, c'est magnifique. Oui, parfait. Et je suis en train de ciseler la ciboulette que j'ai complètement oubliée. Et voilà. Vous en mettez comme vous voulez, hein, un bon 2 cuillères à soupe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment fortement aromatiser la base, la béchamel, parce qu'on va venir diluer notre béchamel avec 4 blancs d'œufs montés en neige. Puis des blancs d'œufs, pour essentiel, c'est de l'eau avec un peu de protéines. Oui. Donc, si notre base n'est pas assez aromatisée, on va avoir un soufflé, somme toute, assez moche en termes de goût. Mm-hmm. Donc, on y va avec ça, François. Ça y est presque, hein? Ça y est, oui. Donc, c'est important de monter les blancs jusqu'à un stade qu'on appelle de pic ferme. Et puis, pour les stabiliser, on ajoute de la crème de tartre. C'est un acide, ça prend juste 2 ml, donc une demi-cuillère à thé de crème de tartre pour stabiliser. Puis, vous savez que les blancs sont prêts quand ça laisse des traces, là, regardez, je vais vous montrer. Là. Vous voyez les traces qui s'arrêtent? Ça veut dire que les blancs sont fermes.
Mais il ne faut pas trop les fouetter non plus. Et là, ici, là, est-ce que tu as rajouté des blancs? Alors, Hélène, on se disait que dans la recette, il y a 4 œufs, donc 4 jaunes qui sont allés dans la béchamel, et on monte les 4 blancs à part. C'est ça qui va faire monter le soufflé. Mais souvent, moi, j'ai des blancs d'œufs qui traînent dans mon frigo. Alors, j'ajoute un blanc d'œuf de plus, ça va faire un soufflé encore plus impressionnant. Ah oui, hein? C'est mon petit secret. Ouais, OK. OK. C'est le moment où jamais où on peut passer du blanc qui nous reste. OK. OK. Là, on va combiner ensemble. Donc, l'autre astuce, quand on travaille avec les blancs, c'est d'en prendre peut-être le tiers, le quart ou le tiers. Puis, on va alléger notre béchamel en incorporant le blanc un peu n'importe comment. Pas besoin de faire attention, c'est pas grave. Donc, essentiellement, on vient aérer la base, mais le reste, on doit l'incorporer en pliant. Vraiment en pliant attentivement. Donc, tiens, je vais y aller comme ça. Ouais. En pliant, en fait, c'est juste pour ne pas perdre tout... Le travail qu'on a fait d'incorporer de l'air à nos blancs, c'est ça? Exactement. C'est ça. C'est un mouvement qui minimise l'éclatement des bulles. T'es tellement bon élève, François. Ouais, je fais ce que je peux. Je suis avec des pros, là. Ouais, okay. Toi aussi. Donc, le mouvement pour plier, je vais mettre ça en dessous, c'est qu'on rentre la spatule à travers les blancs, puis on va chercher la préparation en dessous et on la soulève par-dessus. Okay, donc, on fait le tour. Comme si on n'écrase rien. Oui. Juste incorporer. Oui, comme ça. Puis honnêtement, même s'il reste un peu de blanc qui n'a pas été incorporé, ce n'est pas la fin du monde. Que ça a l'air déjà bon. Ouais. Ça, sent, comme ça, ça sent bon à cause de la ciboulette. Hein? OK. C'est un bel ajout. Oui. Puis là, ici, pendant ce temps-là, je vais juste montrer que ton moule à côté, Christina, dans le fond, tu l'as juste beurré. Oui, je l'ai juste beurré. Moi, je beurre juste le fond. Et là, il y a un mythe. Le mythe étant qu'il ne faut pas beurrer le moule parce que le soufflé a besoin de s'agripper sur les parois pour monter. Ce n'est pas vrai, ça. Ce qui fait monter un soufflé, c'est l'eau qui se transforme en vapeur, donc qui se vaporise. Puis l'eau, quand l'eau se transforme en vapeur, il augmente 1600 fois de volume. Oh! Alors, tout ce volume... Ça pousse, donc, ça pousse. Toutes les petites bulles d'air qui sont ici vont s'emplir de la vapeur d'eau et les bulles vont prendre de l'expansion. Puis tout ce qui est chaud, ça monte. Donc, ça pousse le soufflé vers le haut. Maintenant, l'avantage de ne pas beurrer, c'est qu'au moment de servir le soufflé, il va être collé sur les parois. Parce que les blancs, on sait que les œufs, ça colle à tout. Oui, on le sait. Donc, ça va coller et ça va aider au soufflé à ne pas retomber tout de suite. Oh, j'ai hâte de voir mais ça. Mais tous les soufflés retombent. Je vous garantis que tous les soufflés retombent. Alors, pour la cuisson, on va en parler tout de suite pendant que je termine mon pliage. Pour la cuisson, c'est 350 pendant 30 à 35 minutes. Il y a certaines personnes qui le font à 375-400, mais moi, je trouve que la croûte devient beaucoup, beaucoup trop brune. Okay. Puis, est-ce que tu mets ça au bain-marie, au four, ton moule, ou c'est comme ça, à sec? C'est directement comme directement. Ça. Directement, OK. Bon, j'essaie de minimiser, je ne veux pas le faire. Ah oui, non. Donc même en versant, tu y vas délicatement comme ça. Je vais y aller délicatement. OK. OK. Voilà. Puis il y a un autre truc que je vais vous donner qui fait une belle apparence. Là, j'ai un petit peu plus de temps. Fait que je vais... Sais-tu quoi, François? Je fais de la trousse au niveau de mes pouces. Tiens, tu peux descendre. Puis tout ce qui est l'eau maintenant, là, c'est l'enfer pour moi. Tranche de vie personnelle. Mais oui. Mais il y a plusieurs gens, personnes dans ta situation, alors c'est... Oui, je sais, c'est terrible, c'est terrible. Alors là, ça va, je vais aller chercher jusqu'à la dernière goutte. OK, alors... Laisse-moi débarrasser. Merci, François. Alors, vous prenez une spatule coudée comme ça, puis vous venez égaliser la surface avec une spatule coudée. C'est pas obligatoire, mais vous allez voir, ça fait une plus belle finition. Donc ça, c'est le premier truc. Et le dernier truc, c'est de passer un doigt propre, les mouiller, autour, comme ça. On va juste faire ça pour faire comme un petit espace entre le soufflé et la paroi du bol. Ah oui! Et ça sent haut, puis il ne faut pas qu'il y ait aucune trace sur les parois, parce que ça fait, quand ça monte, là, ça fait comme une obstruction à la montée.
Alors, ça s'en va au four. Mettez-le sur la grille qui est plus vers le bas. Parce que si vous le mettez au centre, ça se pourrait que le dessus de votre four colle à la voûte de votre four. On veut pas ça. OK. Donc, c'est parti. 35 minutes. 30 à 35 minutes. On fait nos prières. Oui, on est out. Je tourne. Oh mon Dieu! C'est incroyable, hein? Oh ben là! Tu me donnes tellement le goût de faire des œufs, du lait, du fromage. C'est tout! Un petit poulet. Bon, voilà. Puis une petite technique de Christina quand même. Voilà, oui, le beau talent de Christina. Non, mais ça nous donne le goût, puis ça démystifie le soufflé. Ah oui, non, écoute, je suis vraiment contente du résultat. Ça, tu as combien de portions là-dedans, Christina? Ben, on parlait de ça tantôt. Pour moi, c'est 4 petites portions pour un dîner léger. Si c'était pour un souper, je dirais peut-être 3 portions. OK. Mais c'est sûr que c'est de l'air, hein? C'est très généreux. Mais en même temps, c'est gras. Alors, moi, j'aime bien le servir avec une belle salade verte. Oui, qui va être un peu acidulée pour couper un peu le gras. Très acidulé. Je sers un bon pain avec ça. Et puis, écoute, c'est... T'oublies le verre de rouge. Ah! Très important. Ou blanc, je sais pas. Ah, blanc. Après tout, c'est Noël. Oui. Blanc. Bonne idée. C'est un super dépanneur durant le temps des fêtes. Un beau dépanneur. Pas compliqué.